Au menu aujourd'hui, nous avons du héros, Mamma Mia, aïe, 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 du bon héros royalement fait avec plein d'obstacles. Donc là, c'est de la peau de bœuf et des tripes de bœuf. Je les ai fait préalablement cuits, voilà, j'ai salé juste et puis j'ai fait cuire. Là, c'est mes feuilles de héros. J'en ai pour 400 grammes environ de feuilles de héros, voilà. Donc je rajoute quand la peau et les tripes de bœuf ont cuit. Donc je rajoute le héros. Vous allez me voir ajouter des épinards. C'est des épinards surgelés. Moi, je n'ai pas de Ouattalif où je me trouve. J'ai pas la grâce d'être au Cameroun ou dans un pays où je trouve du Ouattalif. Donc j'utilise des épinards surgelés. Là, j'en ai pour environ 1 kg à 1,2 kg d'épinards surgelés. Voilà pour 400 grammes de héros, comme je vous disais. Vous allez aussi me voir ajouter le cube crevette. Voilà. Voilà, il y a un cube crevette. Et là, j'ai deux sortes de poissons fumés. J'ai deux sortes de poissons fumés que je rajoute. Et donc, je vais laisser tout ça une vingtaine de minutes environ, 20 à 30 minutes à feu moyen. Là, c'est mon huile rouge que je vais rajouter tout à l'heure, mes écrevisses et le piment rouge que je vais balancer à l'intérieur. J'ai des enfants, il ne faudrait pas que ça pique, donc je ne peux pas me permettre de mixer ce piment-là. Donc, nous voilà au bout d'environ 25 minutes. Donc, je balance le piment, les écrevisses séchées et notre huile rouge. Au niveau de l'huile rouge, sincèrement, je ne vous donne pas les quantités, même au niveau des écrevisses et tout, vraiment, c'est vous qui voyez, hein. C'est vous qui voyez, vous pouvez même ne pas en mettre. Donc, on va laisser encore comme ça une quinzaine de minutes, juste le temps que l'huile rouge perde son odeur, voilà. Et vous allez voir que c'est prêt à être dégusté, hein. C'est tout le héros, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire, hein. Je sais pas ce que vous avez pensé. Il n'y a pas de choses à mettre dedans, il vous faut juste les feuilles de héros, les feuilles de Ouattalif si vous êtes au Cameroun. Sinon les feuilles d'épinards, il vous faut voilà un peu de viande, un peu de poisson fumé si vous voulez, et puis c'est tout, hein, un peu de piment si ça vous dit. On ne met rien d'autre dedans. Voilà, notre héros est prêt. Regardez les obstacles. Mon Dieu, les obstacles, mon Dieu, les fameux obstacles. Allez, nous allons déguster. Miam miam et à bientôt pour d'autres recettes toujours aussi faciles. Surtout abonnez-vous si c'est pas encore fait. Abonnez-vous. Miam miam.